Il y a un match de fou, on a envie d'être là tous les trois. On a, en vrai, on a un top 6 de malades qui est en train de s'organiser. Et genre, s'il faut prendre un micro à la main, eh bien on le fera. Merci beaucoup TKL, la Comeback TV. Salut à tous les copains, bienvenue sur le Pépite Stadium. Ah, c'est la commu qui arrive. Bon, il y avait du contenu StarCraft en même temps. Il y avait un contenu StarCraft en même temps, donc c'est normal que vous étiez dessus, les potos. Bienvenue ce soir, c'est Melee ici. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé, que Clem a distribué des teutards. Je sais pas ce qui s'est passé pour Drogo, mettez-moi les nouvelles dans le chat évidemment. On est parti sur du Super Smash Bros. Melee, les amis. On a de la dinguerie ce soir. Et j'avoue que j'ai pas pensé à StarCraft sur les deux dernières heures. J'avais du Melee de malade sous les yeux. Clem a perdu, non. Arrête, non. Ah, c'est faux. Ah ouais, d'accord. Parce que faut pas lui dire ça maintenant là. Faut pas et lui dire Drogo ça il a 2-0 son match. Les Français qui gagnent, on n'a pas besoin de plus. Ici les amis, on est au Bertom à Paris, dans le 11e arrondissement, avec au boulevard Voltaire tout simplement. N'hésitez pas, si vous êtes dans le secteur, que vous habitez pas trop loin, à venir faire un coucou. On en a encore pour une bonne heure, une bonne deux heures presque, hein, de contenu. Donc venez nous voir, il y a des bières à boire, il y a du gaming, et notamment avec du Super Smash Bros. Melee. Je crache partout. Et on a un Psylo contre Vrad. Alors, pour présenter les joueurs, encore une fois, c'est important. Psylo, meilleur joueur lillois, qui a pris son petit TGV Max, qui est venu, qui dort chez les admins, qui dort chez les TIO. Hein, et en face, on a Vrad, best, top chic française, old school player de fou. Oui. Un amour, Vrad. Un amour, tu vois, une douceur ultime. Et en fait, le cœur me donne Vrad, la raison me donne Psylo. Que le meilleur gagne. Écoute, moi c'est l'inverse, tu vois. Le cœur me donne Psylo parce que j'adore les Falco, tu vois. Mais la raison en vérité. Non, en fait dans les DFG. Deux cas, en vérité, dans les deux cas, j'avoue qu'il a un petit côté DFG. Il a un petit côté DFG, Psylo. Côté DFG. Non, en tout cas, je sais pas ce que ça donne un peu leur affrontement sur les anciens pépites, parce que Psylo, mine de rien, malgré le fait qu'il soit de Lille, c'est un habitué des pépites, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc je suppose qu'ils sont peut-être déjà rencontrés. On va voir en tout cas ce que ça va dire. A noter que si Psylo était en loser relativement tôt, c'était par une chic, par JVJ. Ouais. Donc est-ce qu'on a quelques faiblesses sur lesquelles Vrad peut appuyer? Est-ce qu'il allait voir JVJ juste avant? Ou alors par contre à l'inverse, est-ce que Psylo a une sorte de petite revanche peut-être à prendre sur le personnage, sur le match-up? Et question rapide, est-ce top 8, est-ce BO5? Oui, c'est BO5, hein. C'est complètement BO5 les amis. On est sur du match à gros enjeu. Bakou, peut-être, est-ce que c'est un loser round 5? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on est en top 8 hein, définitivement. Mais est-ce qu'on pourrait pas mettre un quarter loser? Non, c'est une semi-loser ça normalement, non? C'est pas la semi-loser, je pense. Moi, c'est... Non, parce qu'il y a Raoul ou Nov. Non, bah non, ça peut. Moi, on s'en fout, on verra bien. Ouais, on verra bien en vrai. Ça, c'est la problématique des double elimination brackets, c'est qu'il y a beaucoup de matchs évidemment et c'est pas toujours évident de se placer. Attention, toujours est-il que pour l'instant, c'est pas si très très fort pour Psylo, donc le joueur aux cheveux longs, mais surtout le joueur au piaf bleu. Oui. Et pour l'instant, il n'arrive pas à conclure. Il va trouver son opportunité avec un gros backer ici. Ouais, c'est ce qu'on veut. Hein. C'est ce qu'on veut. Pas de tech forcément de la part de Vrad. Je sais pas s'il est chaud sur le double stick tech sur ce genre de situation. On va immédiatement aller bien reset le score. C'est difficile aussi quand l'adversaire arrive de manière invincible. On veut sauter, on veut pas se faire graber. Enfin, tu sais, c'est un peu complexe avec Falco. C'est un RPS un peu bâtard qui se joue sur est-ce qu'il y a réégalisation ou est-ce que je reprends le contrôle. En tous les cas, par contre, si on a un Vrad qui est bien coincé, un très joli donneur en retreat de la part de Psylo qui va continuer d'appliquer la pression. Par contre, ce mini wave dash back pour bien prendre tout le contrôle. C'était très risqué ce laser. Il a un problème. C'était un peu trop risqué ce laser parce que malheureusement, Falco. En dehors du terrain, c'est un Falco mort sur le livre de Chic. Ouais, Vrad ici qui fait ce qu'il faut faire avec Chic. Au bout d'un moment, il faut les choper ces opportunités-là parce que le personnage les crée tout simplement avec ses weak hits dans tous les sens, mec. Genre juste le moment où tu te retrouves un peu en galère sur le bord face à Chic, c'est un classique avec tous les personnages du jeu. Attention ici, mais oui, les Power Shield qui sont en place ici de la part du joueur de Chic. On essaie de trouver son opportunité. Pour l'instant, on se fait un petit peu de juggle sur la plateforme. Très bien fait. Oh, le dare to dans ce match. Est-ce qu'on arrive à convertir ça? Shine, back air, Foster. Ouais, et là maintenant c'est ok, d'accord, c'est il va tomber. Il y a un truc qui est très important face à Psylo, c'est faire très attention à comment tu positionnes sur les plateformes. Il est véritablement très 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 bon pour reprendre un peu de terrain. C'est un jeu encore une fois de positionnement en Super Smash Bros. Véritablement. Et du coup, la hauteur et l'horizontalité comptent énormément sur le positionnement. Par contre, là on a quand même une magnifique ouverture de la part de Vrad parce que voilà, il s'est mis dans le corner. On trouve une ouverture, on repousse et on trouve le kill juste derrière. Donc attention à comment tu positionnes, tu peux perdre tes stocks très vite. Et si Vrad s'oublie un peu sur les plateformes, il pourra en abuser le père Psylo. Ici, il lui a catché l'or. J'ai juré. Ouais, non, c'était très 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 précis. Évidemment, attention ici pour l'instant, les grabs qui sont trouvés.
Okay. Il va pas réussir à cacher là-dessus. Heureusement, en même temps, Psylo sait, hein, il sait à quel point les grabs de Chic sont très dangereux. Il a pas après, le droit. C'est Tech-Chaise, en veux-tu, en voilà. Là, par contre, on a quelque chose, malheureusement, de Jay qui est très bien suivi. Et encore un EB de raté. C'est le deuxième stock qui part comme ça. On sort sa petite gourde, on a le regard de tueur. Psylo est là pour tuer. Psylo est là pour tuer, puis il y a des choses Un petit sourire, cela dit, autant pour moi. Excusez-moi, il est charmant. Il est en train de repenser à son match face à JBJ. Et puis face à toi. Et il s'est dit, putain, c'est une sacrée soirée. Je pense que c'était son match le plus facile qu'il ait eu du bracket. Ah ouais, il t'a vraiment détruit. Ah, il m'a détruit. Ah, la première game, ça allait. La deuxième, je crois, il m'a 3 stocks. J'étais en mode, vas-y, j'arrive plus à recover. Ça m'embête. Il était là en mode, vas-y, ça te dérange, je fais des petits backers, des petits lasers. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, là pour le coup, par contre, on a quand même du challenge avec Vrad. Et on a cette chop dont on parlait justement sur le match précédent. Oui. Et on voit qu'il peut en abuser. On comprend mieux pourquoi. Très justement, bien il voulait pas se faire choper. Ouf. Il le montre. Non. En une chop, la stock, elle disparaît. Et puis Chic Battlefield, quoi. Chic Battlefield, c'est vraiment le terrain, on a envie de jouer avec les plateformes. De toute façon, c'est des plateformes bandeurs, les joueurs de Chic, et ils ont envie sur Battlefield tout simplement d'aller les chercher au maximum. Attention, ici on bourre un petit peu avec ce retour sur le stage en fer. Oh, la grappe qui est trouvée! Oh, joli. Oh oui! Oh là là, il va le suivre tellement loin! Dommage. Et ça, c'est sûrement après le mix-up. Hein. C'est comment j'ai relevé, ça va être un peu ambigu. On va bourrer Shine le plus vite possible si c'est mal spacé. Et là, on l'a bel et bien eu. Mais regarde-moi ça, il la danse le des shield drop. La danse des shield drop sur la plateforme. Hein. Les deux, ils se sont enchaînés du shield drop dans tous les sens pour essayer d'aller trouver. Oh, le frag! On revient. Difficile. C'était difficile, l'angle était très beau hein, de la part de l'explosion. Enfin, justement, sur après l'explosion, c'est difficile à tenir le bon timing. Là, par contre, c'est done tilt immédiat. La DIA aura beau être bonne. Les pourcentages sont trop élevés. Ouais, les pourcentages ne mentent pas. Funka qui nous rejoint au cast, hein, tout simplement. En même temps, il y a du psylo à l'écran, mec. Il faut que tu castes psylo. Et je reviens vite. C'est important. Et on a pour l'instant une première game qui a été prise sur Dreamland par le joueur Lillois. Oh, je pense qu'il y avait un Shine Out of Shield qui s'est raté là-dessus en 7 spot dodge. En tous les cas, pour le moment, on en va en abuser. Deuxième dash attack, attention, jaune, quelle est la relevée? On continue de le chasser. Vrad qui peut se permettre de mettre tout un tas d'inputs à droite à gauche. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Psylo qui essaye de s'extirper de la pression, mais c'est non, tu es touché, tu meurs et encore une chop. Aïe, aïe. Stock en mouvement au début d'une stock comme ça, c'est très 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 compliqué. Avec un Vrad qui peut enchaîner sur une belle chain grab, mais il a droppé le combo, droppé l'opportunité peut-être de 0 to death et de prendre 2 stocks d'avance. Qui était joli ce back air, puis en reculant avec un joli drift back. Les deux joueurs qui sont en train de spammer des spot dodge, ils savent pas trop. Le premier combo starter, peut-être la grab, attention Vrad. Non, le call out sur la taking place qui était pas le bon. Ouais, après il a de l'avance, en effet il se permet de faire une read qui était peut-être un peu trop risquée. Ouh. Parce que par contre voilà, Psylo, ça reste Falco aussi en termes de punish game. Il est pas non plus laissé pour compte et on le voit ici, attention à ça. Petit Shine forcé de faire un waveland derrière et un forward air uniquement. On rappelle que le saut de Falco à partir du sol, c'est plus difficile. Alors que s'il fait le Shine depuis les airs, voilà ce qui se passe. Il link le bear. Ouais, Shine back air instantané, très 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 bien fait. Ici on va trouver une ouverture, double laser, Shine, encore un autre. Ici sur la plateforme, le up qui va connecter, on bouge très 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 vite sur les plateformes de la part du Falco. Ça va extrêmement vite, Foster, roll pivot up tilt, on cherche une opportunité, faut réouvrir le neutral de nouveau. Et pour l'instant on bosse très très dur, mais des deux côtés, parce que pendant ce temps là Brad il esquive les missiles, les lasers, et il essaie de les power shield un par un. Ouais, et là malheureusement ce smash avant dans le shield, hein, c'est puni immédiatement, on reprend le contrôle, le donner est au sol et on est relativement patient, quoique on fonce dedans, on trouve la chape un peu trop lent sur la prise d'edge, mais le contest est toujours là, laser F tilt, quelle beauté. Ouais, il le fait deux fois, premier anglais, deuxième parfaitement dans la gueule de la Chic, qui ne pourra pas revenir. No job, no B, attention, joli DI sur le forward air, c'était important, le petit Shine en wake up qui était important pour reprendre le contrôle. Oh, il est parti de si loin. Si loin, le bon Vrad, heureusement, il a réussi à se retourner, il n'y aura pas de SD là-dessus, on essaie d'accélérer sur la plateforme et on se retrouve stuck sous les lasers. Le pylonneur lillois, Psylo, qui garde le contrôle du stage pour le moment et qui n'overcommit pas. Ouais, qui n'overcommit pas. Il fallait le dire. Oh, tu la curse. Il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort, il revient sur le stage, il va prendre une grab, un down smash qui va pas connecter dans le shield ici. Intéressant. Ah, il arrive pas à conclure, il arrive pas à conclure, Brad, les gars. 137%, il est censé dégager vite le Fox. Non, mais surtout, en fait, voilà, on a des sondages où au final, bon, je me fais graber, et tu vois ce que je veux dire. Le Falco, tu vois, pourquoi, enfin, je me fais graber, et tu vois, au final, la tech chaise, elle va être un peu plus dure à faire. Voilà. Par contre, là, cette up tilt qui rend la Earthbox, donc la zone, tu peux toucher la Chic, qui est très filiforme, un peu à la Zub. Et ben du coup on en profite, le Shine va whiffer et on prend le contrôle quoi qu'il en soit. On va le pousser de la plateforme pour faire tomber le
Shield et trouver ce Shine là-dessus pour complètement contrôler. Attention parce que Psylo et ton Zagay là-dessus, oiseau de proie, le fait tomber encore une fois, maintient la pression, il essaye de l'appeler mais la chope est trop belle. C'est maintenant peut-être non la Get Up Attack, il a essayé de le crowd cancel mais je pense qu'il a lâché, il se fait un petit peu clipper ici par le up B, un petit peu de réussite du côté de Vrad, mais on se retrouve une fois de plus offstage, il arrive à remettre les pieds sur la plateforme, c'était important, le reverse backer un petit peu chelou, la tech ratée, on n'y aura pas de punish finalement. On est un peu stuck sur la plateforme, oh, dommage, un petit peu. C'est beau ça. Son shield drop mais une fois de plus la Get Up Attack qui met dans une position catastrophique et là c'est la fin. Simple, efficace. Super intéressant parce que depuis tout à l'heure il fait toujours shine puis quelque chose. Ouais. Et là il allait directement pour le backer. Méga au final, backer. Ouais. Pas d'embrouille là-dessus. Ouais, la DI était pas prête, on n'a pas pu essayer d'amsatek le bousin et on s'est fait dégager extrêmement vite de la part de Vrad. Très bien fait. Silo à 2-0. Au final 2-0 certes, mais cette dernière game était très proche de la victoire. Elle raconte une bien meilleure histoire. Voilà, parce que Chic Falco, on rappelle encore une fois, on a vu hein, en une chop la stock elle peut partir. Donc là on n'était vraiment pas à grand chose de pouvoir s'en extirper. Par contre c'est Shine à la relevée, on a un peu du mal à respecter un peu ce spacing justement une fois qu'on a trouvé une chop. Et on le voit de la part de Psylo et on en abuse. Air dodge fantastique magnifique là-dessus pour éviter de se faire gimper, donc mourir à bas pourcentage. Mais par contre Vrad qui fait très bien le tour pour reprendre un peu le contrôle. Mais Psylo set un mur, un très bon Falco défensif, on le voit ici, magnifique changement de timing. Shine Turner on grab, le Shine Grab Turner on qui était insane en vrai sur cette séquence, même si ça ne connectera pas. En réalité, on a un Psylo qui est quand même très en place mécaniquement, alors que Vrad se frustre un petit peu sur ses petites erreurs. Encore une fois, on se fait clipper heureusement par le up B parce que sinon, je pense qu'encore une fois, il y avait un setup peut-être avec un potentiel 2 kill, le side B edge cancel qui va être raté, mais le très bon shield crop en réaction qui va mettre la Chic off stage. Ce sera un down smash qui va reset le neutral au centre. Power shield sur ce Shine, c'était important. Les deux joueurs, le Divisi, on va remonter, mais on va se retrouver bloqué au ledge ici, mon cher Coaster. Ouais, bah malheureusement on a gagné suffisamment de temps pour pouvoir revenir en effet hein, et ça c'est un peu le problème. Par contre on a réussi à trouver cette petite ouverture pour reprendre un peu le contrôle. Up tilt, on voit ici hein, la raison pour laquelle là, au pourcentage au final se faire graver c'est pas si grave que ça, parce qu'en fait on a plus rien de garantie. Là malheureusement on a essayé de graber, je crois on a relâché le shield, du coup on s'est pris ce coup là, un laser pour gagner un tout petit peu de temps, mais bien évidemment pas assez pour reprendre le contrôle. C'est Needle peut-être un peu gourmand, on trouve un backer de la part de Psylo et peut-on réégaliser, c'est maintenant que ça se joue. Oh. Et bah non, quoique oh. Ça tue pas les gars, ça tue pas. Là faut réussir à mettre des pourcents. Là c'est le moment où tu peux. Oui, il a bien fait l'âme s'attaque, il arrive. Oh. Il a slide out. Le jeu qui sait plus calculer le momentum du truc en fait. Il y a tellement d'énergie. Tu vas à gauche, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop effectivement de boutons qui sont poussés et d'énergie. Il est censé se faire. Tu sais, c'est Ariane qui est censé partir voilà, dans l'espace quoi. Et en fait elle a SDI Ariane et personne sait ce que c'est censé. Il est censé se passer. Attention, laisse garder. Bonne le backer qui va être. Il est trop chaud. Et il a pas été touché depuis tout à l'heure. Il aurait pu perdre sa stock sur le jab, mais la DIY était juste absolument fantastique. Il était très aware de ça parce que du coup c'était jab et backer, on n'en parle plus. Donc vraiment Vrad qui a survécu suffisamment longtemps. Par contre attention à cette phase, elle peut être dangereuse là-dessus. On prend très bien le centre de la part de Psylo. Jolie petite needle par contre qui va le toucher pile entre les deux yeux. Pourrait bien respirer un peu plus, prendre un peu de terrain. On se fait gratter certes, mais on n'ose pas bouger de ce coin. Et Psylo le sait et il en abuse. Ouais, la bonne ride hein, avec cette tekin pour essayer de reprendre le centre du stage qui va être puni directement par un Shine. Encore une fois, un upper qui ne connectera que dans le shield et la réaction de Psylo, elle est instantanée. Le shield drop la punition. Ici, on va trouver Shine upper et ça va tuer à 130%. Vrad qui est en train de vivre ses deux dernières stocks ici dans ce Pépite Stadium, épisode 1, saison 2, mon cher Coca. Ouais, il est en train de prendre une sauce là pour l'instant. Est-ce que sur cette grappe, dommage, oui, les Needle. Ça tue ça. Oui, monsieur. Eh oui. Let's guard carré, on récite le Super Smash Bros Melee là-dessus de la part de Vrad. Très bien fait. C'était important de pas se tromper là-dessus. C'est du B.A.B.A. C'est du B.A.B.A. pour Chic. Et pour autant, on ne s'est pas trompé. Et dans une situation à pression comme ça, on peut tout manquer. On peut même rater son prénom de temps en temps. Et d'ailleurs, on voit Psylo qui commence un peu à se chier dessus aussi, hein, si je peux me permettre, parce que tu vois, il avait la pression au niveau de l'edge, il s'est très vite barré au centre, genre je veux plus me faire graber en back throw et être justement à l'edge et me faire complètement gimper, là c'est pas possible, je suis une game de pouvoir l'emporter, on va arrêter les bêtises, donc on va viser plutôt sur un jeu plutôt safe, shield drop to shield drop, des power shield fantastiques, par contre le crouch cancel est bien présent de la part de Vrad qui n'a pas lâché là-dessus, un fer qui ne touchera pas, mais ça ne fait rien, la grappe qui va arriver derrière, et alors là par contre cette stock, elle disparaît. Trop propre. Oh, Allez, trop propre. Il faut pas refaire le move des pressants de game. Tout à l'heure, il était au lead pareil et il s'est fait comeback. Oh, oh. Il faut réussir à garder ce lead ici. On va trouver un fer. Très bien fait. Le up air en rising. Joli. Vrad. Il est pas mort. Le shine. Le up air. Ça ne tue pas, les gars. Ça ne tue pas. Le up air de Falco, on le rappelle, est pourri. Pourri. Oui, bon, il a un potentiel, mais en effet, c'est peut-être pas le meilleur. Ouais, comme celui de Fox. En même temps, avec le Shine de Falco et le Upper de Fox, on aura un problème en vrai, je pense. Dans le jeu serait moins marrant, je pense. On aurait le perso le plus broken. Probablement un peu problématique. Ouais. On va régaliser les choses ici de la part de Vra. Très joli slide-off ici pour se sortir de la situation.
Ok, sur la plateforme, ça va être Jiro. Slide-up avec un dernier instantané pour reprendre le contrôle. C'était un wicket. Du coup, on se retrouve quand même très très proche de l'adversaire. Et la grab, elle est trouvée. Vrad, maintenant, peut-être la première game, il faut la trouver. Oui, la tech chase, on pourra aller le suivre directement jusqu'au bas du stage. Le parfait, la parfaite needle. Les deux parfaites needles. Et Vrad, qui va mettre son point ici. On ne s'inclinera pas 3-0. Non, monsieur. La suite. Vrad, il a des ambitions dans ses pépites, tu vois. Genre, il a bossé cet été et il m'a dit, moi, ça me fait chier de pas avoir mon moment en stream, de pas faire des bons classements. Je veux être plus fort que ça et je veux faire ma finale de pépites, je veux être là, tu vois. Genre, il y a une vraie ambition personnelle dans le Pépite Stadium pour Vrad qui est, voilà, on le rappelle, un joueur old school. Enfin, toi, tu le connais depuis plus de 15 ans. Eh bah, dis-toi non. Non. C'est un mec qui a arrêté au moment où j'ai commencé ou un peu avant. Donc, en fait, moi, je l'ai découvert au moment de sa reprise. C'était un nom qui me disait un truc, mais ouais. Je l'avais encore jamais vu, dis-toi. Et donc, tu l'as découvert. En quelle année toi t'as commencé? Moi j'ai commencé 2008, en 2000, ouais grosso modo on va dire, ouais. J'ai commencé en 2006 mais j'ai pas bougé de ma région, quoi. Ouais. Donc on va dire 2008. Et donc, du coup Brad, voilà, c'est un gars qui a pris un break en 2006-2008, quoi. Vous imaginez à quel point le mec est ancien. Ah, il est très old school, non, mais... Il est là depuis toujours et en effet il est toujours là aux pépites. Et en vrai c'est des quasi systématiques top 8 pour Vrad au Pépites Stadium. Ouais, et il rend fou avec ses turnaround grab hein, depuis tout à l'heure, Psylo, en vrai. C'est tellement dur à input. Trop sexe. Le down air back air qui va finir avec strong hit qui va permettre de terminer la stock. On va counter pick DF du coup, Psylo qui se fait confiance hein, et qui n'a pas peur de se faire chain grab, qui a plus confiance en sa capacité à 0 to death son adversaire, puisqu'on parle quand même d'un stage où les combos ne s'arrêtent jamais. On atteste évidemment cette séquence car la vie est bien faite et que ici on me fait croire presque que je suis un commentateur descendre. Non, le très bon angle de la part de Psylo qui va avoir le droit à une deuxième. Pourquoi un air après la dash attack et pas un fer? Je sais plus exactement, je te cache pas la situation. Genre le fer avait l'air touchable, mais peut-être il s'est pas fait confiance et le nerf sortant plus vite, il s'est dit bon vas-y, je mets un rising nair et on voit ensuite l'edge guard et en fait il a pas réussi. Son dash était un peu tardif et il s'est dit qu'il toucherait pas fort en air. Je sais pas trop ce qu'il s'est dit en vrai. Ouais, je saurais pas vous dire. Moi je pourrais vous parler de l'up B par contre pendant des heures qui était absolument sublime au niveau de la hauteur du début. Et là par contre on a une pression qui est absolument dingue. On se protège de l'explosion avec ce donner. On continue de taper. Le shield est relativement bon. Par contre on descend en air, certes, mais là on a cross up donc le gramme ne passe pas. Laser, jab, dash attack, une deuxième parce que why the fuck not. Et on se reprotège de l'explosion. Rebacka pour maintenir le contrôle. Là pour le moment on a un petit lot qui est en train de jouer. Et là on voit du coup on ne peut plus faire d'explosion de la part de Vrad. On tente une air dash malheureusement. On tombe dans le traquenard. C'est un shine. C'est un EPR pour avoir le kill, DI trap fantastique. Ouais, trop bien fait. Trop bien fait. Attention, mise au sol. Très bien fait, mise au sol, get up attack et punish. Non, on va pas trouver le follow-up ici, le dash qui a été manqué ou simplement on a manqué un petit peu de sens du jeu. Trop beau. On voit hein, Vrad, tu vois, qui essaie de mettre des F-tilt, tout ce genre de choses, tu sais, pour essayer de mettre un peu la pression ou n'importe. Et on voit qu'il fait un, deux lasers, puis il passe à l'offensive lorsque Vrad a abandonné. Et en fait, le jeu de rythme actuellement de Psylo est juste fantastique parce que les questions est quand est-ce que je vais sur l'adversaire lorsqu'il va pas appuyer sur un bouton, en gros du gros, tu vois. Et là, on voit hein, qu'il trouve cette ouverture, qu'il lit très bien le rythme. On a trois stocks face à une. Pour le moment, le counter pick qui marche, qui fonctionne. Et on a un Vrad qui ne peut pas éviter cette pression de laser, cette pluie de laser, et qui ne sait pas où donner de la tête. Ah, il est très en place, Pilo, il est très en place et il veut terminer 3-1, semblerait-il. Encore une fois, un laser, tentative de shine grab, mais on était juste dans le dos. Quel dommage. Dommage, on se rate encore une fois sur une Edgar qui paraissait quasiment garantie, alors même si Pilo aurait pu taker. Il l'a réussi déjà 5 fois dans ce match quasiment, cette Edgar là. Et là, elle choke sur la dernière game, c'est très dommage de la part de Vrad. Attention, falling, un petit backer ici qui va pas connecter. L'ouverture qui est trouvée de la part de Pilo. Ouh, pourcent. Ouais. Ça tue pas. Ouais, mais après il était relativement bien pour maintenir le contrôle. Par contre, petit forward tilt. Et là, mais oui, c'est ce B. Parce que justement, le jeu needle est trop bon de la part de Vrad. Et pourtant, les nouvelles hauteurs de la part de Psylo sont juste absolument fantastiques. Lui permettant, du coup, il vient de survivre un peu plus longtemps. Et là, mettez-moi cette dash justement pour éviter un peu tout ça. Le forward tilt en entière, c'est juste absolument sublime. Au bout d'un moment, il y a trop de pourcentage. Tu prends une claque, tu dégages. Mais dans un chien, Psylo, t'es trop beau. Une mission, merde, deux grabs, deux stocks. C'est maintenant, c'est tout de suite pour le comeback. Peut-être pour Vrad pour nous donner une game numéro 5, mais ça paraît très compliqué. Non. Dash attack back air, la bonne DI, il est pas mort. Allez, il y croit plus dans son regard, mais en vrai, il faut qu'il joue, les gars. Ici, back air, c'est parti. C'est maintenant. Une deuxième. Brad, c'est la tech chase de ta vie. Une troisième. Une quatrième, les gars. Ok, oui. Est-ce que si c'est Power Shield, mais il est de ici, mal retourné, il y aura pas de grab ici, on va prendre F-Tilt. On se retrouve offstage. Et cette dernière opportunité, quoi? Il s'est fait cloquer deux fois. Qu'est-ce qui se passe, Brad? Il peut le faire. Oh, magnifique ce spacing sur le backer. Pour le moment, on va tourner bien autour. La smash direct sur le laser, ok, pourquoi pas. Non, on tue, on panique. Oh, la panique des deux côtés, ça flop derrière en mode à l'aide. Ça spaghetti, il y a beaucoup de sourires sur le stage. Les deux joueurs qui apprécient les pattes définitivement. Mais là, je pense qu'on pourra pas revenir. Est-ce qu'on clôture cette stock? Oui, ce sera un backer. Et pas d'Amsatek pour Vrad. Il y avait trop de knockback là-dessus. Psylo qui avance dans le bracket. Gros set. Gros set. Trop beau. Ouais.
Et dans le bar, ça crie pour Vrad, évidemment. Voilà, au bout d'un moment, raison, hein. On est à domicile, tu vois. Genre, clairement raison. Même dans la.